Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est le 22, non le 23, voilà. Puis qu'aujourd'hui, après réveillon Noël, vont s'enchaîner. Donc ça va aller très très vite. Et aujourd'hui, on va. Aujourd'hui, c'est ma maman qui garde Juliette et je vous vlog parce qu'avec mon chéri, on va aller finir tout ce qu'on a à finir. De toute façon, il ne reste plus qu'aujourd'hui, donc va falloir faire fissa. Je me suis fait une petite liste avec. Tout ce qu'on a à faire. Donc voilà, faut qu'on aille chercher des Saint-Jacques. Je voudrais aller échanger des pyjamas que j'ai acheté à Juliette à Kiabi. Parce que j'ai pris du 6 mois et finalement le 6 mois lui en pyjama lui va encore très bien. Mais voilà, je vais aller les prendre en 9 mois. On en a pris 4. J'en ai gardé 2, je vais en échanger 2. Il faut que j'aille acheter du papier cadeau à Noël. Je peux le dire. Je vais essayer de vous poser sur mon étalage comme d'hab. Je peux le dire parce qu'au moment où vous verrez cette vidéo. Enfin, le Noël sera largement passé, donc il faut que j'aille chercher du papier cadeau parce qu'on offre à mes parents un tapis de gym, un tapis de course, et on veut l'emballer et c'est très 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 gros. Il va me falloir au moins 4 ou 5 rouleaux rien que pour ça. Et on offre également à quelqu'un de la famille, on se met à plusieurs, hein, une télé. Donc elle est au grenier et c'est pareil, je veux l'emballer, sauf que le carton il est énorme, donc il va me falloir pareil au moins 4 rouleaux. Donc je vais aller chercher ça parce que là j'aurai jamais assez de toute façon. Il faut qu'on récupère la tenue du Père Noël chez mes parents. Je voudrais aller me chercher une coque de téléphone à Claire's. Faut qu'on prenne des chocolats pour quelqu'un de la famille et qu'on trouve éventuellement 2 cadeaux pour mes beaux-frères. Ça va être très compliqué, voilà, on s'y prend au dernier moment parce qu'ils nous donnent pas d'idées, ils veulent rien. Et bah moi je les connais pas, enfin je connais pas leur goût, ce qu'ils ont besoin, et mon copain n'a pas d'idées. Donc voilà, écoutez, si on leur trouve quelque chose tant mieux, si on leur trouve rien, tant pis. Donc moi je me suis levée à 8h pour avoir le temps de me préparer, etc. Donc je suis maquillée, coiffée, non, mais ça va rester comme ça jusqu'à ce que j'emmène Juliette chez ma maman parce qu'il tombe des cordes dehors, mais vraiment des cordes. Là il est quasiment 10h et vous voyez, j'ai la lumière allumée, il fait gris, mais limite noir. Voilà, donc ça m'embête un peu parce que le temps de sortir Juliette, on va se prendre la flotte, mais c'est pas grave. Voilà, écoutez, moi dans tous les cas là je suis prête, j'attends que Miss Juliette se réveille, je vais préparer son sac à langer, elle se réveille normalement d'ici une demi-heure. J'aimerais bien cleaner un petit peu ma table là, parce que c'est juste du linge qui traîne, mais si c'est pas fait c'est pas grave, puisque ce soir je range ça pour qu'on parte faire Noël tranquille, que ce soit vraiment nickel ici. J'ai faim. Je vais aller manger un bout. Et puis voilà, écoutez, sinon je suis super contente, vous allez pas le voir. Mais j'ai remis un pantalon d'avant-grossesse. Voilà, ce petit pantalon-là. Alors c'était un pantalon qui m'allait déjà un petit peu grand avant. C'est le genre de pantalon, je l'ai mis sur mon début de grossesse quand je commençais à avoir un petit peu de bidou. Et là, je rentre dedans. Donc je vous avoue que debout ça passe. Assise par contre, je suis vraiment comprimée, je suis vraiment serrée au niveau des pressions assise, mais je suis super contente parce que je rentre debout, là debout, comme ça je suis à l'aise. Et voilà, on a encore un petit peu de boulot au niveau du ventre, mais on y vient, je suis quand même satisfaite. Là vous ne voyez pas, il y a toujours du bidou, hein, mais une brioche, mais voilà, je suis plutôt contente. Je pense que je ne vais pas garder ce pull parce que je vais être comprimée avec mon manteau et j'ai peur d'avoir chaud. Mais bon, en même temps il fait pas très chaud dehors. Je sais pas, je vais voir, en plus, enfin je sais pas, il me gratte un peu, je sais pas si je vais le garder. Écoutez, je fais le sac à langer de la petite pendant qu'elle dort. Comme ça dès qu'elle se réveille, je l'habille tranquillement et on va partir. Comme ça elle va aller de bonheur chez ma maman, c'est cool, et je resterai un petit peu avec ma maman pour discuter. Et je voulais aussi vous montrer qu'on a reçu j'ai reçu un petit cadeau de Noël en avance, quelque chose que je voulais. Comment faire pour vous cacher? Ouais, je vous montrerai ça. J'ai reçu un petit cadeau de Noël en avance qui me fait plus que plaisir. Voilà. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez ce que c'est. Si vous arrivez sur cette chaîne, vous vous dites c'est quoi. On a reçu les plans modifiés de notre maison. Voilà, ça y est. Donc pour celles qui n'ont pas suivi,
par rapport au tuyau, etc. On ne fait pas dévier le tuyau finalement, ça coûte trop cher, on n'a pas les moyens tout simplement et c'est pas à nous de payer. Sauf que voilà, j'ai contacté mon notaire, etc. Ça prend trop, enfin ça va être de la paperasse en fait, c'est aux anciens propriétaires, c'est à ceux qui nous ont vendu le terrain, aux anciens propriétaires de payer. Sauf que clairement, s'il y en a, enfin je crois qu'il y en a pour quasiment 7 ou 10 000 euros, bah, ils pourront pas payer, il faut partir en procédure, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je veux ma maison pour 2021, sinon c'est pas la peine, je prends un autre appart en fait. Je veux pas rester là 2021, faut qu'on parte de là. Donc du coup on a décidé de décaler la maison. Alors au début ça se joue à quelques 10 cm près. Fallait qu'on coupe la maison de 10 cm, on l'aurait fait, hein. 10 cm c'est même pas un agglo. Voilà, finalement il n'y a pas besoin de la bouger, ça passe. Donc je suis trop contente. Là on a les plans qu'on a signés définitifs. À l'heure où je vous parle, ils viennent sûrement d'arriver en mairie ce matin. Et donc en mairie, ils vont. C'est un permis de construire modificatif, donc ça devrait aller très vite. Puisque j'ai un cheveu dans l'œil. Puisque ça repasse pas par toutes les étapes, mais uniquement ce qu'on a modifié, donc c'est-à-dire le sens de la maison. Parce que du coup, la maison, on l'a retournée, on a fait un effet miroir. Donc la maison est décalée de plusieurs mètres. Le sens de la maison, et on a changé de place une fenêtre, une grande baie vitrée. Donc voilà, je suis trop contente. Ça, ce que vous voyez, c'est ma future maison vue de l'extérieur. Je vous montre pas par là parce que voilà, il y a mon nom, etc. Mais. Voilà, je pourrais vous montrer à l'intérieur, on a tous les plans dessinés, etc. Mais j'ai envie de vous garder un petit peu la surprise. De toute façon, sur plan, je ne dis pas qu'on ne se rend pas compte. Nous, on se rend compte parce que ça va être notre maison. Mais voilà, là, si vous voulez, on l'a de toutes les faces. Et je crois qu'on l'a. Ouais, là, on l'a dessinée sur notre terrain. Comme elle va être. Voilà. Donc c'est une petite maison classique. Il ne fallait pas s'attendre à un château. C'est une maison classique à étage et. Et voilà, avec un garage, et je suis très contente. Donc voilà, c'était mon petit cadeau de Noël en avance. Vous saviez que c'était quelque chose que je me suis donné vraiment à fond. Vous avez été plusieurs à m'envoyer plein de messages sur Instagram, sur YouTube, pour me remonter le moral, me dire que vous aussi vous aviez galéré, qu'on aura notre maison. Donc merci, merci. Comme vous voyez, j'ai pas lâché l'affaire une seconde. J'ai contacté mon notaire, j'ai contacté les agents immobiliers, enfin j'ai contacté plein de monde, le monsieur de la mairie, de l'urbanisme et tout. J'ai vu plein de monde et je suis contente de rien avoir lâché. Parce que ça a porté ses fruits. Donc maintenant, il faut attendre que la mairie accepte. Je pense que voilà, ça va aller très vite. En plus, j'ai rencontré le monsieur. Donc je pense même que je vais l'appeler aujourd'hui ou au début de la semaine prochaine, laisser passer les fêtes, pour lui dire que le plan est arrivé en mairie. Et que voilà, comme il m'a dit qu'il connaissait, bon, qu'il avait vu mon nom, qu'il me ferait passer un petit peu avant, c'est juste à regarder, à valider. Donc ce serait cool. Bon, de toute façon, les travaux ne commenceront pas avant début janvier, puisque nous, là, l'entreprise de construction que l'on a pris, elle ferme là de Noël jusqu'au début janvier, après le jour de l'an. Donc voilà, après, en espérant s'il vous plaît qu'il ne gèle pas, parce que s'ils gèlent, ils ne pourront pas couler notre dalle de béton. Voilà, c'est marrant parce que tout le monde me l'a dit, hein. Tout le monde m'a dit, tu as ton permis de construire tout, on ne pourra pas couler la dalle parce qu'il va geler trop fort. Donc pour l'instant, écoutez, il n'a pas l'air de geler fort, donc je pense qu'on pourrait couler la dalle, enfin qui pourrait couler la dalle, parce que moi je ne veux pas le faire, hein, perso. Mais après, faut, une fois que la dalle est coulée, il faut un mois de séchage. Après seulement, il y a les murs. Et je crois que mon copain m'a dit, faut attendre 3 semaines entre chaque mur ou je ne sais quoi. Après, les maisons, ça va vite. Hein. Mais je préfère qu'ils prennent leur temps et qu'on ait une bonne maison sans malfaçon. Voilà, écoutez, je suis super contente de cette nouvelle en tout cas. Je vais faire le petit sac à ranger avant que Juliette se réveille. Et puis, je vous retrouve plus tard. Coucou Namou ! Coucou ! Coucou poupée ! Coucou poupée ! Hein, t'es jolie. Oh, t'es jolie. Oh, tu veux attraper la caméra? Tu veux attraper la caméra? Ouais. Bon, voilà, écoutez, je vous retrouve. Il est 10h35, 40 à peu près. Grenouille s'est levée, je l'ai habillée, on est prête. Oui, mon amour, tu fais des sourires, t'es trop jolie. Voilà, on est prête, du coup je me suis changée, j'ai gardé mon pantalon, bien qu'un petit peu. Voilà, je me dis si ce midi on mange ce qu'on doit manger, je. Le bouton va péter. J'ai mis mes bottines Guess. Je voulais mettre en fait ce pantalon là. Il fait hyper bien avec des bottines à talons. Sauf que là entre descendre la petite, les sacs, après on va courir un peu dans les magasins. Je préfère être à l'aise. Donc j'ai mis mes grosses boots Guess. Ça fait très bien aussi en fait. Au lieu de faire chic, ça fait décontracte. Et du coup j'ai mis mon pull gilet noir. Puis j'ai mon débardeur en dessous. Voilà, tout simple. Je vais me mettre une petite paire de boucles d'oreilles. Et puis on va y aller comme ça. Comme ça, voilà, je vais la déposer à sa mamie. Et qu'est-ce que j'allais dire?
J'ai mis du gel pour les dents du Camélia, j'éteins la télé, j'habille la grenouille et puis on y va et je vous retrouverai par contre quand je ne sais pas, mais je vous retrouverai tout à l'heure. Voilà, voilà, faut pas que j'oublie mon téléphone. Ah, oh, ça rentre pas sa mère. Bah si, le mien rentre. Ah, tu le poses ailleurs. Oh, ça rentre pas non plus. Ça rentre pas non plus. Putain, chier. Bon, du coup, on est en voiture. On mange comme des petits pauvres McDo vu que c'est fermé. C'est pour mettre le sac. Oh, c'est Titi dessus. Hein? C'est Titi dessus. J'y retrouve monsieur. Et après, on va finir les petits achats de Noël. Mais là, pour l'instant, on... Ah, il y a encore au moins. Oh non, elle est partie. C'est tellement nul. Bah, va le faire sur la blanche. Non. Allez. T'es sûre elle est... Oh non, c'est trop nul, putain. Non, non, elle était là. Bah, il me semble que c'est la brèque. La brèque là, non? Non, 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 y a rien, elle était là. Hein. Ah, ouais, ouais. Putain, c'est trop nul. On a loupé la. Comment tu l'as appelé? La table mobile. Bon, sinon, bah, on a fait les magasins et j'ai rien filmé. Comme d'habitude. Sourire, tu l'aurais pas filmé non plus. Pourquoi? J'ai chaud. Et j'ai pas trouvé la tenue que je voulais donc je boude. On a encore fait une zizi mobile. Moi ouais, t'aurais dû la prendre en photo, c'est trop ouais, nul en vrai. Bon du coup il est plus tard, hein, il va être quasiment 4h. On a terminé, on vient de sortir de Lidl pour acheter le papier cadeau. Parce que forcément vous imaginez qu'il nous faut masse de papier cadeau pour emballer et la télé et le tapis de sport pour mes parents. Donc voilà, là on sort de Lidl où il a fait ça, où on a acheté ça. Mon copain lave la voiture et le jet de pipi. Mon copain lave la voiture et on y va parce que la voiture est vraiment dégueulasse, la nouvelle. D'ailleurs, je vous l'avais jamais montré. Je vous montrerai quand elle sera propre. Moi je reste dedans, je fais ma feignasse. Hein. et après, on va chercher Poupette. Et voilà. A few moments later. Ah. Ah. On sent la tendance. On fait les fofolles. Allez, venez, Milan, vous asseoir à ma table. Vous se posez les paroles, mais je m'en fous. Sinon, monsieur m'a tarte. Ah oui, t'as carrément ta trace de main. Il m'a tartiné de farine. J'en ai sur le bout du nez, non, parce que je bouge. Ah oui. Alors, je fais pizza maison. Donc, celle-là, c'est celle de monsieur. Crème, jambon, champignon, cheddar, gruyère. Je me suis trompée, il n'en voulait pas. Pâte maison aussi, of course. Oui. Et moi, du coup, c'est crème fraîche, chorizo, champignon, poivron et... gruyère. Maintenant au four pour je sais pas combien de temps. Bah peut-être pas tout de suite au four si on mange pas tout de suite. Ou c'est long à cuire, je sais pas. Je peux peut-être les pré-cuire. Ouais. Bon bah écoutez, je vous reprends plus tard comme vous pouvez le voir. On est rentré. J'ai pris ma douche. Je me suis lavé les cheveux comme ça. Ils sont propres pour demain. Je vous avoue que j'ai une peau dégueulasse. Je sais pas ce qui se passe. J'ai comme plein de plaques en relief. J'ai des rougeurs. Alors ça se voit pas à la caméra, mais clairement de près c'est horrible. Je me suis fait un masque, ça n'a rien changé. Je me suis fait un gommage, ça n'a rien changé. Donc voilà, j'ai épuisé tout ce que je pouvais faire. Demain, je vais laisser poser un petit masque à la crème fraîche, comme je vous avais déjà montré en vidéo il y a quelques temps. En gros, je laisse poser de la crème fraîche épaisse. Une fois qu'elle est un peu sèche, je vais rincer. Et puis voilà, ça va hydrater ma peau bien en profondeur. Je pense qu'elle est très sèche. Donc,
Voilà, voilà. Là, je vous reprends. J'ai fini de faire mes ongles. Voilà, je vais vous montrer plus en détail après. Je ne savais absolument pas quoi faire. Ça a été une prise de tête pas possible. Ça a été très long. Donc, j'ai fait une valeur sûre du blanc. Et sur deux ongles, j'ai fait du bleu nuit à paillettes. C'est vraiment très joli. C'est du semi-permanent. Et ce sont mes vrais ongles, au cas où si on me demande. Je vous montre ça juste après. Donc voilà, au moins, c'est une année. Chaque année, dans les vlogs, je vous dis mes ongles. C'est pas dire qu'ils soient faits, puisque j'ai d'autres choses à faire, etc. Et là, c'est vrai qu'avec Juliette, j'avais peur qu'il ne soit pas fait, sauf que comme c'est du semi-permanent, ça va tenir. C'est-à-dire que je peux me permettre demain de faire la vaisselle, le ménage, d'avoir les mains dans l'eau. C'est pas du vernis, donc ça va tenir. Quand on fait au vernis, moi j'ai tellement souvent les mains dans l'eau que ça tient pas. Donc là, voilà, je suis contente, j'ai mes ongles qui sont faits, ça brille de mille feux, je pense que ça se voit. J'aurais peut-être pu faire du bleu sur tous les ongles, tellement c'est joli, mais voilà. Je ferai ça pour le reste de l'année, parce que moi les paillettes j'en mets tout le temps. Du coup, quand j'ai les ongles faits comme ça, j'ai l'impression d'avoir des faux ongles, je me sens trop vite sur des trucs comme ça. Bref, du coup il est beaucoup plus tard parce qu'il va quasiment être minuit. On a été emballer le tapis de course avec mon copain. On l'a mis dans le garage chez mes parents. On a dit que c'était un meuble pour moi ou pour ma soeur, je sais même plus ce que mon copain a dit. On a emballé la télé qu'on emmène demain chez la tante et l'oncle de mon copain. Et là pour ce soir, j'étais pleine d'ambition. Je voulais ranger à fond la table, ranger la cuisine. Je me suis dit que je la ferais demain, mais je voulais ranger, je voulais finir d'emballer un cadeau qui est pour ma soeur. Et au final, j'ai rien fait, j'ai passé mon temps à faire mes ongles. Voilà, parce que je me suis foirée, j'ai dû recommencer une fois. Donc du coup là je vais aller ranger tout mon petit bazar pour faire les ongles. Je vais nettoyer la table parce que j'en ai mis partout. J'ai mis, vous savez, de la poussière quand on s'est mis les ongles un petit peu partout. Je pense que je vais emballer demain le cadeau. Je me serai par terre à côté de Juliette, elle sera contente. Je vais essayer de ranger un petit peu ma table. Voilà, j'ai juste 2-3 babioles à ranger. Je le linge à ranger. Je vais le faire maintenant, comme ça ce sera fait. Et j'ai bon espoir. J'espère vraiment, je croise les doigts, que Juliette demain fasse une bonne sieste. Parce qu'aujourd'hui elle a dormi 3 quarts d'heure avec ma maman. Donc autant dire que quand elle dort pas, elle est énervée. Faut être avec elle H24, sinon elle pleure et c'est la grosse colère. Donc ma maman a fait que ça toute la journée, la pauvre. Elle a rien fait, je suis arrivée, il y avait encore sa vaisselle de midi qui était même pas faite. Donc moi j'ai bon espoir franchement qu'elle dorme demain pour que je fasse ce que j'ai à faire. Préparer son sac à langer, puisqu'on va rester jusqu'à tard. Donc j'ai préparé son pyjama, ses biberons, tout ce qu'il faut. Et je voudrais préparer, il faut que je repasse la chemise à mon copain pour demain. Et pour aussi vendredi, parce que j'aurai pas le temps de faire ça vendredi matin. Enfin voilà, j'ai plein de choses à faire. J'ai des roses des sables à faire pour mon papa, je les fais demain. Donc ça, en 5 minutes, c'est prêt. Au pire, je mets Juliette avec moi en cuisine, voilà. Donc écoutez, je vous reprends demain. Et demain, le réveillon, le 24, je vous filmerai pas, puisqu'on va donc dans ma belle famille. Et ils souhaitent pas du tout être filmés, en fait. Donc je respecte leur choix, je prends même pas la caméra. Mais je vous filmerai chez mes parents. T'abonner, faut cliquer, cliquer, va partager, aimer.